Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette suite et bientôt presque fin de Landstalker sur Mega Drive. Eh bien, nous allons nous attaquer à un gros morceau, voire le plus gros morceau, puisqu'il s'agit du labyrinthe de Kazalt. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel, mais sachez que ce donjon risque d'être coupé en deux parties, voire peut-être en trois, suivant le temps que ça va prendre. Bien, vous allez vous diriger directement en bas du village de Kazalt, et puis on va aller à l'essentiel. Vous voyez ce beau décor bleu et vert, eh bien, on va y rester un petit moment. Avec une très bonne musique d'ambiance qui n'est ni plus ni moins que la musique d'introduction. C'est parti. Alors là, pour commencer, vous allez éliminer ces petits blobs. Alors, en fait, il y a deux chemins ici. Vous avez, une fois que vous avez battu tous les blobs, il y a un switch qui arrive ici. Mais le switch va fermer la porte qui se trouve sur la droite ici, au profit de l'ouverture de celle-ci. Moi, je vous conseille de passer par là pour justement rejoindre cette porte qui est dissimulée. Puisqu'il y a un objet fort intéressant qu'on va aller chercher par là-bas. Allez, tais-toi, toi. Ouais, oh là là. Eh oh. D'accord. Pourtant, j'étais... Ah oui. C'est que j'étais pas bien contre le mur. Bien. Vous allez voir, cette musique, on va l'entendre un bon petit moment. Ici, vous allez pouvoir vous aventurer par là. Mais il y a, vous voyez, une statue ici qui va vous bloquer. Ne prenez pas le téléporteur au sol, sinon vous allez vous retrouver bloqué. Pour l'heure, il va falloir descendre ici. Non, pardon, autant pour moi. Ah, je risque de faire des petites boulettes comme ça. Hein, mais là, vous allez descendre par là. Et vous allez avancer sans avoir les bottes de fer, qui sont les prochaines bottes que l'on va récupérer. Mais il va nous falloir, de toute façon... Allez par ici. Allez, Ryle, c'est pas grave, ça fait pas mal. Voilà. Ce petit switch va nous permettre d'abaisser le gros bloc de pierre qu'on a vu juste avant. En fait, ça, c'est le chemin pour aller récupérer l'épée de Gaïa, qui est la dernière épée du jeu. Normalement, on doit la récupérer un petit peu après, mais elle va nous être très, très essentielle maintenant. Vous voyez, là, on peut descendre maintenant. Qu'est-ce que j'adore cette musique. Là, vous allez actionner ce switch qui fait disparaître, comme vous avez pu le voir, la statue de l'étage du dessus. Et voilà. Là, sautez bien par-dessus, sinon vous allez revenir bien en arrière à cause de ce téléporteur. Ici, eh bien, vous allez esquiver ces blocs de la manière suivante. Voilà, de la manière suivante, avec un bloc de pierre à pic en pleine poire. Là, vous allez aller récupérer cette clé qui va nous être très essentielle. Et puis, évidemment, couper ces arbres et descendez. Nous y voilà. L'épée de Gaïa, dont on va s'équiper tout de suite. Alors... L'épée de Gaïa elle est marron déjà. Et l'épée de Gaïa est un peu pénible parfois, puisque une fois qu'elle est chargée, quand il y a des ennemis dans la pièce, donc là il n'y en a pas, mais quand il y a des ennemis dans la pièce, ça crée un tremblement de terre. Enfin, une sorte d'éboulement plutôt. Je vais essayer d'aller assez vite. Là vous allez prendre ce cube, monter par ici. Voilà, vous voyez ce qui se passe, c'est exactement comme si vous utilisiez une statue de Gaïa. Bon, là, vous allez vous diriger par ici. Ah oui, il faut avancer tout de suite, pardon. Il faut avancer tout de suite. Là, vous allez... non, vous allez rien faire du tout, vous allez juste prendre cette statue de Gaïa. Voilà, c'est une statue de Gaïa, je m'en souvenais. Vous allez avancer.
Ah, lui se protège, c'est dommage. Vous voyez que la statue a disparu. Allez. Voilà. On peut maintenant descendre. Alors ici, vous voyez une salle vraiment totalement sombre. Il va nous falloir pour cela... Il y a des ennemis dans la salle. Pour cela, récupérer un objet qui s'appelle la lanterne pour pouvoir allumer. Alors sachez que vous pouvez déjà aller chercher ce coffre-là, ici. En fait, quand vous montez bien la luminosité de votre écran, si votre télé le permet, en fonction de la lumière qu'il y a dans votre pièce, vous pouvez réussir à voir la surface au sol. Et en fait, il faut se diriger par ici, car il y a une pièce. Bien, là, vous actionnez ce switch, et puis vous prenez ce petit bloc, de manière à faire un escalier ici pour monter. On escalade ça. On va esquiver encore des boulets. Et on va aller chercher cette fameuse lanterne. Alors ici, ne tombez pas, puisque sinon vous allez vous retrouver face à ces momies complètement énervées. Lui, on va le laisser ici. Alors, vous pouvez les tuer hein, si vous voulez avec vos tremblements de terre, mais voilà. Et ici, la lanterne. Parfait. Eh bien, la lanterne, vous allez pouvoir l'utiliser dès la salle suivante. Voilà, de manière à l'éclairer. Alors, en fait, le fait de l'éclairer avec la lanterne, ça devient... Oula, ça devient un éclairage permanent. Hein. Alors vous pouvez ensuite utiliser d'autres objets, mais si vous utilisez un autre objet dans la pièce, tel qu'une statue Gaïa par exemple, la lanterne s'arrête. Donc il faut la réactionner pour pouvoir se retrouver dans la lumière. Ici, il y a un switch, mais ne l'actionnez pas. Donc là, il y a de la glace. Hein. Vous ne pouvez pas marcher dessus parce qu'il nous faudra les bottes de neige exprès pour cela. Remarquez qu'il y a un coffre par ici. Il y a une technique qui est toute simple, c'est qu'il faut se dépêcher car les plateformes qui vont apparaître sont chronométrées. Nous trouvons donc cette deuxième clé. Voilà, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas très grave, vous voyez que ça fait pas vraiment mal et puis de toute façon on a les bottes de soins. Maintenant, on va pouvoir retourner tout au début du donjon. Alors ici, donc, une fois que vous avez utilisé la lanterne, vous voyez qu'on est vraiment dans la salle où on était tout à l'heure. Donc maintenant, vous voyez vraiment ce qu'il y a au sol. J'ai été obligé de faire un petit truc de montage, vous avez dû vous en rendre compte, mais j'ai un petit souci de capture qui s'est arrêté, tout simplement. Donc là, vous pouvez sortir pour retourner où on était au départ. Ici, il faut simplement... Bon, je vais faire le bourrin, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, c'est parti, vous retuez tout le monde. Alors bon, l'argent, est-ce que c'est réellement nécessaire ? Là, vous avez, ça n'est pas la peine d'aller par là, puisque c'est simplement pour retourner au départ. Donc, si vous aviez pris en bas, dans la première salle, dans la première antichambre, en fait, vous pouvez arriver par là. Mais là, nous, on va se diriger ici, et on va utiliser notre première clé. Bien, là, vous avez deux possibilités. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par ici. Et on va utiliser, une fois de plus... notre lanterne et procéder à ce combat avec ces espèces de samouraïs pas sympas. Et
Qu'est-ce que tu fais, toi? Merci. Là, vous pouvez descendre. Ici, non, vous allez descendre également. Non, vous n'allez pas descendre parce que c'est une salle simplement pour remonter si vous tombez dans le trou. Bien. Ici, vous allez faire le tour de la salle. Remarquez qu'il y a un switch, mais vous ne pouvez pas y accéder pour l'instant. Vous allez aller chercher ce bloc. Et le ramener par ici. Et vous positionnez en face de ce bloc. Vous voyez que la plateforme ici s'arrête. Voilà. Vous allez vous positionner ici. Et donc, le but étant de le lancer sur le switch. Comme ceci. De manière à faire apparaître cette plateforme. Et pour pouvoir passer ici. Ici, eh bien, vous pouvez le faire tomber dans le trou si vous le voulez. Si j'y arrive. Hey, détends-toi. Tout va bien se passer. Voilà. Alors, ici, vous remarquez qu'il y a deux blocs qui nous empêchent d'avancer. Et puis, il y a cette jarre. Alors, je pense que vous avez compris ce qu'il fallait faire, mais par contre, il va falloir jouer finement de manière à pouvoir éviter de casser la jarre. Et voilà, comme ça. Ne tombez pas, sinon vous allez être dans la difficulté pour pouvoir remonter. Là, vous allez passer à travers ce mur. Suivez le chemin et vous tombez dans ce trou. Pour ramasser notre précieux sésame. En fait, dans cette salle, nous sommes dans la salle où nous serions tombés si nous avions raté notre saut tout à l'heure. Parfait. C'est pas la peine de les tuer. Et vous voyez, on arrive ici. Donc la plateforme, forcément, est toujours active. Et heureusement... Si je m'écoutais, j'irais voir la déesse Gaïa, mais bon. On va se contenter de ce qu'on a comme énergie. Ici, eh bien, encore un petit coup de lanterne. Alors, je sais plus s'il faut passer en bas ou en haut. Je pense que ça doit être en bas, me semble-t-il, ici. Je ne sais plus. Ah, voilà, une nouvelle énigme. Donc là, vous allez prendre les 4 blocs. Et on va en faire un escalier pour pouvoir tous les actionner. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais là-bas, puisque sinon, je suis ennuyé pour ensuite passer sur ce petit ponton, vous voyez, sur ce petit pont-là. Puisque à chaque fois, vous voyez, ça fait apparaître des petits boulets de pique. Nous, ce qu'on veut ici, c'est simplement faire apparaître ce coffre où se trouve une réserve de vie. Allez, laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Et vous remontez par là. Et vous pouvez rejoindre, en fait, c'est la salle où on était juste avant, hein, tout simplement, voyez, avec les deux boulets. Là, nous, on va se diriger par là pour que je vous montre un petit peu cette pièce avec ses 3 accès avec la glace, où on se dirigera dès qu'on aura les pics des neiges. Mais nous, pour l'heure, on va utiliser ici... notre seconde clé qu'on a ramassée tout à l'heure. Et puis, on va suivre le chemin. Là, vous allez sauter. Ne descendez pas, ça sert à rien. C'est un endroit pour... C'est un piège, en fait, tout simplement. C'est que si on tombe. Là, vous allez pouvoir éliminer les 3 blobs grâce à ceci. Alors là, il y a 2 techniques, en fait. Hein. C'est si vous appuyez... en fait, il faudrait se mettre ici et le lancer dessus, c'est très facile. Et si jamais vous faites ça, eh bien, vous savez que vous n'êtes pas bloqué, en fait. Hein. Il faut simplement passer par-dessus. Même si ça fait un peu mal, ça passe quand même. Hein. Voilà. Premier labyrinthe, ici. Alors, on va éliminer quelques...
quelques personnes. Et on va passer par ici. Pour aller éliminer cette... cette faune. Voilà. Et on va descendre par ici. Ne les tuez pas, puisque ce qu'il faut, c'est que ces crétins actionnent. Voilà, le switch. Alors ici, il y a une autre énigme. Puisque vous voyez qu'il y a plusieurs objets fort intéressants. Et surtout, vous avez un coffre à récupérer qui doit apparaître sur cette plateforme en haut, grâce au switch que vous avez vu. L'idée, c'est de grimper et de passer sur ces plateformes. Vous ramassez le bloc. Voilà. Vous lancez ça ici et on va faire la même chose avec l'autre. J'essaie d'aller assez vite hein, parce que sinon le donjon est vraiment très très long. Si c'est trop long, comme je vous disais, je ferai quelques ellipses. Mais normalement, je pense que ça passe. La première partie devrait passer en à peu près 3 quarts d'heure. Voilà, vous ramassez ça. On peut... Non, je crois que lui, il faut l'amener ailleurs. Je sais plus comment on fait d'ailleurs. Voilà, ça doit être comme ça. Vous voyez que lui est apparu. C'est très bien. Mais par contre, j'ai besoin de celui-là pour ramasser celui-là. Voilà. Je sais pas si avec deux ça passe, il me semble pas. Hein. Non. Il en faut bien trois. Et donc... il nous faut bien celui-là. Voilà. Non. Allez, va-t'en, toi. Ah, je vais pas y arriver. Et voilà. Une clé, encore une. Puis, on va retourner là où on était, sur cette espèce de labyrinthe. Là, on va rééliminer la faune locale. C'est vrai qu'à la fin, on fait quand même un peu le bourrin. Mais bon, on a quand même pas mal d'énergie. Donc ça passe. Là, vous allez vous diriger par ici. Et puis descendre de ce côté-là. Pour vous diriger dans cette porte. Non, je vous dis n'importe quoi. Il faut d'abord actionner un switch pour pouvoir faire disparaître ce bloc. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Ah, mais je suis carrément sur le crâne du mec. Ah là là. Voilà, on va ramasser ça. Une petite réserve de vie encore. Allez, donc là il y a encore une... il y a encore un peu de monde. Oh là là. Hey, hey. Allez, viens là toi. Je sais plus par où faut passer. Non, ça va être par là. Heureusement qu'on a les bottes de soins quand même. Voilà. Ici, non, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien par là. On va grimper. Et puis, je sais plus de quel côté c'est. C'est là. Là, vous pouvez détruire ces deux statues d'un seul coup. Voilà. Normalement, vous avez un switch qui est apparu ici.
Voilà. Eh bien, ce switch a retiré le bloc gris qu'on a vu il y a 2 minutes à peine. Donc on y retourne. Ah, y a pas mal d'allers-retours. Et vous allez voir, c'est pas fini. Hein. C'est vraiment un très gros donjon. C'est le plus gros du jeu. Hein. C'est vrai que le labyrinthe vert est, je trouve, un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment... Bah... D'accord. J'étais persuadé que c'était là. Mais non. En fait, c'est pas là. Ça n'est pas là. Donc, c'est de l'autre côté. C'est pas très grave. Allez, je vais passer à l'arrache. Au moins, ça passe. Voilà. Il va pas me laisser tranquille, lui. De toute façon, il ne peut pas monter. On va se diriger vers là. Et puis, on va passer par là. Alors, ici, vous pouvez sauter par-dessus si vous y arrivez, comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez passer par le bas. Mais nous, on aime bien passer un peu en force. Voilà. Là, vous pouvez descendre. Voilà. En fait, le switch qu'on a actionné, c'est ça. Là, une salle avec un... Avec un vilain monsieur. Voilà. Il y a un switch ici. Eh bien... Vous pouvez l'actionner, il reste actionné, ça ouvre la porte du haut et celle du bas si vous voulez retourner dans la salle précédente. Et là, on arrive en fait exactement à l'endroit où on était tout à l'heure. Vous vous en souvenez? Une restauration et une... C'est un équéqué, bon, celui-là, il va tomber à pic. Allez, on y retourne. Ok. Gros labyrinthe. Alors ici, il y a pas mal de petits chemins. C'est un peu galère, mais bon. Il est pas compliqué. Hein. Moi, je vais y aller en force. En fait, là, vous allez passer derrière et il y a un téléporteur ici. Voilà. Qui vous envoie par ici. Et là, vous allez pouvoir sortir vos bottes de fer. Vous allez voir que l'inventaire, en fait, des objets, on va le remplir dans ce donjon. Hein. Là, vous allez prendre la jarre, la poser délicatement. Et grimper par ici. Et ramasser... cette réserve de vie. Voilà, ça c'était pour ce petit passage. Là c'est pareil, hein, c'est pas nécessaire d'avoir les pics de fer puisque vous pouvez largement passer sans. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose par là. Alors ce qui est dommage, c'est que les bottes de fer ne protège pas en cas de dommage sur les pics. Bien là, vous allez pouvoir remonter et vous voyez qu'on arrive à ce niveau-là où on était déjà au départ. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre de l'autre côté au départ. Allez, ah, je vais peut-être reprendre quand même mes bottes de soins, faut pas déconner. Voilà, je vais reprendre un petit coup de statue de Gaïa. Et puis, non, je vais passer par là-bas, puisque c'est par là qu'il faut passer. Donc voilà, pas mal d'allers-retours dans ce donjon. Le labyrinthe de Casalt.
Donc là, on reprend par là-bas. Et on va essayer d'aller affronter ce premier boss. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la visite du village de Kazalt, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait différents boss, différents gardiens, les gardiens de Ganea. Eh bien, ces gardiens... vont chacun nous donner des petits objets nécessaires. Alors ici, alors en fait, je vais aller vérifier si ce qu'il faut faire, c'est pas justement... Et si, c'est ça. J'avais oublié, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai oublié l'essentiel du coup. Puis on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah, mais il est rendu là, lui. C'est pas par là. En fait, allez, il faut supprimer celle-là pour on nous montre bien que celle du bas est enlevée. Et c'est ça qu'on veut aller chercher, nous. Parce que le switch nécessaire, il est là-bas. Pour enlever ce bloc. Allez, on va essayer de se dépêcher. J'aimerais bien essayer de faire au moins le premier boss avant la fin de cette vidéo et ne pas faire une vidéo trop longue. Voilà, c'est ça qu'il fallait actionner tout à l'heure. Bravo. Bravo, Urwen. Et là, vous allez enfin, je dis bien enfin, pouvoir vous diriger par ici. Puisque notre bloc gris s'abaisse. Alors là, vous pouvez vous dépêcher, puisque eux marchent sur la glace comme ils veulent, et prenez cette porte. Je vous rappelle qu'on a trouvé une clé. Là, vous pouvez aller dans cette pièce simplement pour discuter avec un nain qui vous dit qu'il y a un seul arbre ici. Retenez bien l'emplacement de cette pièce puisqu'on va devoir y retourner après le premier boss. Là, maintenant, nous avons une clé qu'on va utiliser. Et puis, ici, un petit coup de lanterne. Et on approche du premier boss. Là, vous pouvez soit descendre de ce côté-là ou soit descendre de l'autre. Alors, bon, moi, je vais descendre de ce côté. Là, il y a normalement un petit peu de monde à éliminer. Alors, non. Surtout, ne marchez pas sur le bloc, puisque si vous marchez sur le bloc, voilà ce qui se passe. Et donc, vous êtes bloqué. Là, vous allez pouvoir prendre cette ouverture et vous diriger à l'endroit où il y a du monde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre par ici. Donc, trois switches. Celui du milieu nous ouvre ceci. Vous y descendez. Et ici, il y a une salle pour pouvoir sauvegarder. Mais moi, je vais pas sauvegarder ici. Alors, en fait, l'idée, c'est que vous avez le livre registre qui est par ici. Il est là, il est en l'air, en fait. Et il faut le faire tomber en appuyant sur quelques switches. Alors, il n'y a pas d'ennemis ici. Hein. Ah si, apparemment, il y en a un. Il est là, voilà. Donc, voilà, vous avez un premier switch ici. Vous en avez un deuxième qui est apparu par là-bas, je sais plus où exactement. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà, il est là.
Bref, donc en tout cas... Ah, celui-ci c'est pas bon. Maintenant il faut le bloc. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Au bout d'un moment, il y a un bloc, une petite caisse qui apparaît. Qui doit être par là-bas, je crois. Qui est... Vous voyez, c'est par là-bas. Et on va essayer d'aller sauvegarder pour quand même mettre fin à cette vidéo. Je ferai l'intégralité du reste du donjon la fois suivante. Pour ne pas que ça dure trop longtemps. Je vais sauvegarder ici. Donc là, vous prenez celui-ci. Ça, c'est quoi? Voilà. Et en fait, ça, c'est pour un... Cette caisse, c'est pour l'autre... L'autre là-bas. Alors, je vais quand même y retourner. Je vais quand même essayer de la mettre là-bas. Alors, sachez que cette énigme... Pour récupérer le livre registre, une fois que vous l'avez fait une fois, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Hein. Par contre, il faut toujours aller chercher le livre registre à l'endroit où il est tombé au milieu de la pièce. Voilà, c'est-à-dire ici. Et on va se diriger vers le bas. Non, je crois que c'est là. Il est où le monsieur ? Il est là, le vilain monsieur. Voilà, merci d'avoir suivi cette première partie du labyrinthe de Casalt. Je vous dis à très 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 vite, à très bientôt pour cette suite et fin, puisqu'il n'y aura que deux parties sur ce donjon. À très vite et bon jeu !